Et salut, on se retrouve pour la suite de Ludo la Noyo. Et on va essayer de pas crever. Ok, ça c'est bon. Normalement, eux, y a pas de soucis. Est-ce que c'est scripté l'ennemi? Est-ce que. Il est scripté, ouais. Alors là, la question que je me pose c'est. Est-ce que je fais ça? Parce que. Ça augmente ma force, mais vu qu'il nous rend fou, ça fait un peu peur. On va essayer. On va tenter un truc. On va se doubler CMP. Peut-être qu'il pourra plus nous faire son attaque là. Oh non. Extrêmement chiant. Bon bah on va essayer de faire autrement. Il n'y a plus de ranime. C'est pas un numériseur. Pas de la chance quoi. Yes. C'est un carnage. Hein. Ok, c'est hardcore hein, dis donc comme truc. J'utilise ça au lieu de ça parce que ça bouffe moins de MP je pense de faire ça que de faire plusieurs Megami. Ok. Mais non. C'est pas possible, comment on va le battre? Attaque de fou, j'imagine. C'est tout? Non, mais il faut qu'on résiste à l'altération d'état fou, hein. C'est pas que ça. Hein. Ou alors l'esquive. Pas fier. Je vais essayer un truc. Une grosse attaque peut-être. Cette attaque là. Je pense qu'on peut pas fuir. C'est une attaque que j'ai utilisée pour farmer ça. Ah ouais, pas mal. Mais il fait quand même des dégâts, faut faire gaffe. Ok, alors là, faut pas qu'elle meure. Hein. Ah, bah ça tombe bien. Thank you.
Alors Mipha en fait c'est l'espèce de statue de déesse là qu'on voit dans la scène où où il y a la naissance de Risa. Alors on a plusieurs choix à chaque fois. C'est un délire, hein. Est-ce qu'il est à nouveau à fond? Non. Non, faut le soigner. Non, on va aller dans le rêve de Garlil là. Voilà. Pour l'esprit mal tourné là. Ah ok, bon bah si c'est ça.
Elle dit ça alors qu'on vient de la protéger il y a 2 minutes. Ça rappelle un peu FF5, la scène où il y a la sirène qui nous envoûte. Voilà. Du coup, on part d'ici. Je pense qu'il faut aller voir l'écran là. Ok, on va faire un carnage. Ah, c'est sympa ça. Bon, ça l'a déjà vu du coup. Allez, c'est parti. On va commencer par le classique. Ouais, on va pas faire comme ça. Est-ce qu'elle aurait une attaque de foudre? Ouais, mais ça va rien lui faire. Le truc, c'est qu'elle est plus lente que Garlil. Je pense que c'est mieux que ce soit Garlil qui le fasse, comme ça le garde MP en plus. Ah, même pipin on aurait dû mettre. Voilà, vous avez compris la technique. Hein. Dans l'autre sens. Ouais. Donc lui il attaque en premier, il le ressuscite. C'est Omborine. Je suis pas assez mal par contre.
On va refaire Megami, je pense. Il fait toujours la même chose, hein. Une attaque de zone, un scan, et après il tape le mec qui l'a scanné. C'est dommage qu'on ait pas plus de dégâts. On fait quoi, du 250 par tour? C'est bien, ça nous laisse le temps de se régénérer au moins. Mike Pipin, ce qui fait souvent des critiques. Merde! Oh la merde. J'ai plus assez là. Je peux pas réciter. Mais non. C'est pas possible. Oh non! Ah, quelle merde. Au secours! Alors est-ce qu'il va pouvoir résister? Espérons qu'il résiste. Yes. Megami. Faut un double Megami là je pense, sinon ça va pas le faire. Ouais, j'ai bien fait. Hein. Gaffe avec nos points de magie aussi. Qu'est-ce que j'ai qui peut faire mal? Je crois de la foudre en fait. Merde, je m'en rappelle plus. C'était Pipin, hein, c'est ça? Merde, ça marche pas. Megami. Brunage. Faut qu'on remette nos nos boosts d'attaque. Ah, c'est bien ça. Je gagne un tour. Heureusement on connaît vite son la façon dont il fonctionne. Ça ne marche jamais, c'est un truc de ouf.
Là j'ai peur qu'il me fasse... On va faire... du plus... Pas facile hein, ce boss. On y est presque. Faut pas faiblir. C'était extrêmement dur. J'ai flippé plus d'une fois là. Voilà, donc on apprend que l'origine de la pollution, c'est les humains hein, du coup. Voilà. Énergie mère. Alors ça c'est des humains contre les biotanks, hein, si vous avez pas compris. Donc voilà, maintenant on doit aller rencontrer Meifa au temple de Ulshan. Par là ou par là? Il y a rien là. Donc ouais, on doit aller à Ulshan. Donc faut qu'on quitte l'endroit. Je vais y arriver. Ah c'est pas. Ah, il y a un deuxième chien. Qu'est-ce qu'il dit? Il me donne des fruits. T'as compris le délire. Voilà. Voilà, donc c'est la nuit. Bah écoutez, on va pas arrêter là. Ce sera dommage. On va terminer le jour. Non, non. Alors là, il veut jouer à ça, ok. On va pas les tuer parce que ça dure 2 heures pour les tuer. Voilà. Donc là on est de retour à Sodome. On va esquiver les ennemis. Il semble qu'ils étaient pas si forts. Alors, je sais plus où c'est, mais il y avait un pot.
Il y avait une bibliothèque. Non, c'est pas là. Non, ça c'est quoi déjà? Ok. La bibliothèque. Vous avez remarqué hein, sur les noms des références bibliques, Sodome, Gomorre. Il y en a énormément hein, des références. Enfin, c'est où déjà? On se fait troller par les portes. Voilà ce qui arrive quand on fait une pause de 6 mois dans le jeu. Ah, vous avez remarqué quand même le petit miracle hein, de la fin de la dernière vidéo. Putain, mais c'est pas là. Ah ouais, c'est mon attaque. Ah non, c'est pas la même. Ouais, le petit miracle c'est que je me suis pas énervé quand je suis mort. Je crois que c'est une première dans l'histoire de la chaîne. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos pour me voir rager. Mais non, ça ne fonctionne plus, les gars. Putain, mais putain, c'est où? Au secours! Non, mais c'était là! J'en suis sûr! Il y a bien une bibliothèque dans le. Attends, les portes se ferment toutes seules. Donc, du coup, c'est forcément par là. Là, je me fais troller par les portes. Les combats commencent à m'énerver. En fait, on va pas, voilà, on va pas arrêter là, alors que c'est la fin de la journée, quoi. Putain, j'ai un doute. Mais oui, putain. Je suis un boulet. Voilà. Comment on passe? C'est pas possible. Bon, allez, mais dégage. Il y a une clé ici. Voilà. Comment un fruit là? Ça ouvre ça. Alors, faut le deviner ça, hein. Je vous mens pas.
C'est l'histoire de la pollution. Vous voyez hein, les persos là qu'on voit, un peu bizarre. Hein. C'est des espèces de fantômes, d'esprits. C'est ceux qu'on a vus dans le. À Gomorre. Alors voilà, alors là je vous explique, il faut tout simplement attaquer là où on a vu la mallée. Si on sait pas ça, on n'y arrive pas. Mais... Ah mince. C'est ça, le combat est pas si dur. Ils font environ 800 par tour. Je sais pas si ça suffit. Mais... Ouais, ça a l'air de faire. Il fait assez longtemps en fait les attaques. Hop, et on va finir, je pense que... Merde, j'ai pas regardé où était l'âme. Quel connard. J'ai pas regardé. En bas à gauche, ok. Plus de magie. On va tenter comme ça. On va brûler hein. Voilà.
lui c'est le roi Eltin là dont on parlait les âmes. Il est pas très très dur. Hein. Un peu long. Comme vous voyez, il fait souvent la même chose. Là il est sur la fin. Je le flippais avec son film. Voilà. Foucault, Mozo Foucault. Ouais, bah deux niveaux du coup. Clé des ruines. On va quitter l'endroit. Voilà, et on va arrêter la vidéo là. On se retrouve donc au jour 9. Tac. Et je vous dis bah, à la prochaine vidéo pour la suite.